agréable. Il a commencé à dire, qu'il fait des viandes, il dit, lui, il est pas bon, c'était ci, c'était ça, non. Fait que là, à un moment donné, ça s'est répandu dans l'équipe. Parce que, tu sais, des fois, là, t'as une personnalité forte, mais même si c'est négatif. C'est ça. T'as des électrons négatifs qui vont se coller après elle. Puis, bon. Fait que là, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, ça fait en sorte que quand les équipes se croisent, il y a un problème de communication. Okay. Fait que là, le gars, parce que le gars, quand il rentre le matin, il y a une liste avec tout ce qu'il faut qu'il fasse, selon ce qu'ils ont vendu la veille. Fait que là, lui, il fait le maximum qu'il peut faire dans la liste, mais il peut pas, jamais tout faire. Fait que là, quand l'équipe de soirée, il faut qu'ils prennent la liste. Puis là, t'as un travail de communication. Exemple, j'ai commencé à couper les steaks, mais j'ai pas fini de les emballer, ils sont là-bas. La sauce est en train de réduire, faut que tu la finisses. Le saumon, il va rentrer tantôt. Les calmars restent à les émincer. Puis il te reste telle quantité de fromage. Tu sais, si t'as besoin, fais-en, tu sais. Mais là, si la communication se fait pas, ben là, pendant la soirée, ah, y'a plus de fromage, le steak, il est où? Là, ça devient la faute du gars de jour. Fait que là, il se monte en affaire de même. Fait que moi, ce que je faisais dans ce temps-là, que je prenais le gars de jour puis je disais tu vas aller faire une semaine de soir pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, puis j'ai la personne qui chialait le soir, tu vas venir de jour pour comprendre qu'est-ce qu'il fait le jour. Okay. Puis je disais je fais ça dans le fond pour vous autres, pour... mais je faisais, j'allais pas dire tout est un chialeux, mais non, je le pensais.